Salut tout le monde, c'est Seigneur la Mort. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Roblox et plus précisément sur une nouvelle vidéo All-Star Tower Defense. Et aujourd'hui, on va tester Dio Brando. Donc, lorsqu'on pose, il fait 1256,84 de dégâts toutes les 5 secondes et sur 30 de range. D'ailleurs, je vais activer les effets et le son. Ok, donc là ce sont des effets vraiment ultra stylés niveau graphisme et tout, c'est incroyable. Au niveau des couleurs, vraiment c'est ouf, je trouve. Donc là, première upgrade à 400. Ok, donc là quand on regarde, ok, donc il doit avoir à peu près 10 upgrades en regardant comme ça. Donc ça va être une unité quand même qui risque de coûter assez cher sur le total. Donc là, juste d'un côté. Pour être sûr de survivre, et je vais améliorer ce Naruto. Voilà. Comme ça, là, on est sûr de tenir bon. Et donc, là, on va pouvoir upgrader Dio Brando qui fait 3045 de dégâts, toujours sur 30 de range et toutes les 5 secondes. Et les effets ne changent pas, mais vraiment, je trouve que niveau style, ils sont incroyables. Donc là, on va upgrader encore Dio. Donc là, il fait 4375 de dégâts. Et là, il va gagner plus 10 de range et 1995 de dégâts. Et Z Smash, donc ce sera une nouvelle technique. On va voir ça tout de suite, donc juste après cet effet-là. Ah, d'accord. Alors, on va s'écarter un peu pour voir ce que ça vaut. Ok, ouais, l'effet est très stylé. Il y a une espèce de trou noir et je sais pas, une foudre noire un peu jaune et noire qui s'abat sur l'adversaire. Alors le PC lag un peu à cause des effets. Donc je pense que lorsqu'il y aura pas de nouvelles techniques, on va couper les effets comme ça va nous éviter de faire souffrir l'ordinateur. Et donc là, Dio fait. Alors déjà, on a l'upgrade 5 et il fait 8831 de dégâts. Donc je pense qu'il y a même plus que 10 upgrades. Et donc, il a 40 de range et d'attaque toutes les 5 secondes, encore une fois. Là, il fait du 11491 de dégâts. Il ne change pas de technique. Donc là, 14485. 83 de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Là, il a coûté un peu moins de 10 000 de cash. Donc, la prochaine upgrade à 3 000, mise à niveau 8. Donc, ouais, il doit avoir à peu près entre 12 et 15 upgrades, je dirais. Et donc, là, il est sur un peu moins de 20 000 de dégâts. Et d'ailleurs, mon dieu, il est level 34, donc il a un petit level, on va pas se mentir. Donc, c'est-à-dire qu'il peut être encore plus fort, je pense. Et là, paf. Un upgrade à 75 000. Donc, là, Dieu, il fait 72 000 de dégâts. Il attaque toutes les 5 secondes. Il a 55 de range. Donc, on va voir les effets tout de suite. Ok, donc on a un effet assez basique par rapport aux autres. Donc, c'est son stand qui fait un gros choc. Par contre, on le sent au niveau des effets que Dio il devait être très cheaté à ce moment-là. Donc là, on upgrade à 78 500, donc c'est quand même énorme. Et plus 56 000 de dégâts, plus 56 500 de dégâts, et il gagne plus 2,5 de range. Donc là, niveau dégâts, il est vraiment très très fort. On va pas se mentir. Au début, je me suis dit ça allait être une unité time stop. Comme le 5 star et comme la plupart des unités de Jojo d'ailleurs, elles ont un rapport avec le temps qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Mais là, on dirait que c'est plutôt une unité dégâts. En tout cas, là, ça on a l'air. Donc, on a l'upgrade 10. Donc, ouais, là, il doit rester 2-3 upgrades, voire 4 grand max. Donc, upgrade à 80 000. On passe sur du 188 000 de dégâts.
sur 60,75 du range, il attaque encore toutes les 5 secondes. Donc vraiment, il est assez rapide niveau fréquence d'attaque. C'est ça qui est bien pour le moment avec ce perso. J'espère que ça va rester comme ça, qu'il va rester sur des 5 secondes. Et sinon, on va upgrader Diobrando. Là, il passe à 263 925 de dégâts toutes les 5 secondes. Il a 62 de range. Donc niveau dégâts, il est vraiment très très fort. On va pas se mentir là-dessus. Donc là, il doit rester un upgrade, je pense. Je pense qu'après, on a le dernier. Donc paf. Ah non, on en a encore un autre. Et donc là, il fait 352 370 de dégâts. Et après, il va gagner plus 5 de range. Il va gagner 103 000 de dégâts. Donc c'est vraiment énorme. Et il aura Ultimate TS. Donc je sais pas ce que c'est, mais ça va être une nouvelle attaque encore une fois. Donc là, on va activer les effets. Et en plus, il va attaquer toutes les 5 secondes. Donc là, paf, c'est bon. Ok, quelle va être la technique? Ok, l'animation a pas changé. Ok, donc là, on a un time stop ultimate. Donc. Ah. Oh putain. Oh purée. Attends. What? Attendez, attendez, attendez. Il a carrément. Attends, mais ça fait sur toute la map. Mais c'est incroyable, genre. Et ça dure ultra longtemps en plus. What? Il est archi cheaté. Donc là, pour conclure, Diobrando fait 455 665,98 de dégâts toutes les 5 secondes sur 68 de range. Donc là, ça lui fait à peu près 90 000 de DPS. Et par contre, il est une unité terrestre. Donc là, il attaque pas les air units. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais à part ça, il est ultra cheaté. C'est incroyable. Donc là, on va mettre les Genos Max. Et donc, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis ciao.